وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم أجمعين وشكر الله سعيكم إذن أبيلاف qui est association des parents d'élèves de l'Université Voice vous souhaite la bienvenue et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence. Donc quand on dit première, ça devient deuxième, et quand on dit deuxième, ça devient troisième. Donc pour cette première conférence qui va tourner autour de ce qui nous est cher, c'est-à-dire nos enfants, parce que APLAV, il est là aussi pour vous représenter, tous ensemble, bien sûr, pour la réussite de nos enfants et du lycée Averroès. Donc la particularité d'APLAV en plus, de la réussite de nos enfants, c'est la réussite aussi du lycée, étant donné c'est un lycée privé. Bon, c'est pas un lycée public, donc on n'a que Allah subhanahu wa ta'ala et vous. Donc, soyons à la hauteur pour vraiment que ça soit une réussite. Et la réussite du lycée, c'est aussi la réussite des élèves et vice-versa. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir et le grand plaisir en votre nom. On remercie notre intervenante, Madame Dominique, qui nous vient de Belgique, mais sans chocolat apparemment. Bon, qui va le. Bon, mais qui nous ramène quand même son savoir et savoir-faire. Dans la matière, donc il va nous parler un petit peu de la relation parent-enfant, parce que bon, la réussite scolaire en veut bien, mais il faut aussi que la réussite familiale soit au rendez-vous. Fil Coran et le Karim ou la Sunna, donc on voit un petit peu, on parle de la relation entre l'enfant, parent, comment, etc. Mais c'est toujours pas si simple. C'est-à-dire, quand on passe à la pratique, là, par contre, la génération de nos ancêtres, de nos grands-parents, c'est pas notre génération. Donc, sans trop tarder, on va lui laisser la parole pendant une petite heure, on va dire, et puis on laissera donc rester branché 5 sur 5, ne changez pas de chaîne, pour enrichir un peu le débat par la suite, c'est ce qui est plus important. Donc, on va ouvrir à la fin de la conférence une demi-heure, donc ça dépend des questions, pour essayer de débattre autour du sujet. Donc, je vais d'abord essayer de régler le micro. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis d'abord, que Dieu me permette de vous apporter un petit éclairage, bien modestement, par rapport à la lourde mission que vous avez de conduire vos enfants vers l'âge adulte, Inch'Allah, qu'il me pardonne mes erreurs, mes manquements, et qu'il fasse que chacun puisse vraiment en tirer le meilleur. Alors, je remercie vraiment
bien chaleureusement votre association de m'inviter. C'est vrai que je viens assez régulièrement à Lille, je n'apporte pas chaque fois du chocolat. Par contre, j'en ai déjà apporté. Mais là, on m'avait invité un week-end complet, alors ça, tout de suite, ça, voilà. La prochaine fois, Inch'Allah. Peut-être juste deux mots pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Dominique Théhuissen. Je suis une maman de trois grandes jeunes femmes et grand-mère de deux petits-enfants. Je suis psychothérapeute. Je reçois en consultation à Charleroi, en Belgique. Donc, c'est 70 km de Bruxelles, à peu près au sud de Bruxelles, en ligne droite. Et puis, Lille, c'est un peu plus vers l'ouest, en bas. J'enseigne également la religion islamique dans un lycée, enfin, ce qui correspond à votre, plus ou moins à ce niveau-là, en tout cas au niveau secondaire, puisqu'en Belgique, on a la chance, en tout cas pour le moment, ça fonctionne encore, mais pour quelques années seulement, on pense, d'enseigner cette discipline dans les lycées publics. Voilà, il y a tout, mais juste un peu pour situer aussi et expliquer que je suis aussi en contact régulièrement avec des jeunes voilà, autour de réflexions justement sur l'islam, sur le devenir citoyen, etc., puisque c'est vraiment ça le contenu de ce genre de cours. Alors, quand l'association m'a contactée pour me proposer donc, d'entamer ce cycle de conférences, on s'est un petit peu demandé de quoi parler, et puis comme il se fait que je vais donner à Bruxelles justement un cycle de conférences qui tournera autour de la famille, et qu'on avait déjà prévu certains sujets, j'ai proposé tout naturellement de reprendre le premier des sujets qu'on avait envisagé, et ce sujet-là, je l'ai intitulé « Parents, enfants, chacun sa place, chacun son rôle ». Alors pourquoi commencer par ça ? Mais parce que justement, en tout cas je pense à l'heure actuelle, dans beaucoup de familles, et ce que je vois aussi dans ma pratique professionnelle en tant que psychothérapeute, ce qui pose surtout problème, c'est un problème de repère, de limite, de place, et puis on ne sait plus très bien comment se situer. Et donc je me suis dit que, comment entrer en la matière pour aborder une série de thèmes qui touchent à la famille, celui-là me semble être particulièrement indiqué. Alors, quand on parle des places et des rôles de chacun dans la famille, c'est vrai que tout le monde pense que c'est une évidence, que ça va aller tout seul, qu'il n'y a qu'à se référer à ce que nous disent nos sources et que ça va bien se passer. Alors, évidemment, nos sources sont extrêmement précieuses, on va y puiser beaucoup d'indications, mais c'est vrai que parfois, on se retrouve piégé, bien malgré soi, dans des situations où on ne sait plus trop bien comment faire. Alors, pour vraiment bien situer les choses dans le contexte, la vie, c'est aussi une question de génération et c'est aussi une histoire qui est complètement cyclique. On est tous les maillons d'une chaîne qui, depuis nos parents, Adam et Hawa, se tissent inexorablement et puis ça passe de génération en génération. Et ça, c'est une réalité dans laquelle aujourd'hui, même si on est très très nombreux sur Terre, eh bien, ça continue de se produire inexorablement jusqu'au terme que Dieu aura fixé et que personne ne connaît. Quand on se penche sur la situation d'une personne en particulier, on va prendre la situation classique d'une personne qui est mariée, qui a deux ou trois enfants, eh bien, cette personne-là, elle aura un lien forcément vers le haut avec ses propres parents, elle aura un lien descendant avec ses propres enfants, et puis des liens latéraux avec ses frères, ses sœurs, les cousins, les cousines. Et puis on voit, si on trace un arbre généalogique, que finalement on a tous des liens verticaux, latéraux, et que finalement on est de toute façon tous inscrits quelque part dans ces liens-là. Tout au long de notre vie, on va être obligé de jongler avec ces différents liens, vers le haut, vers le bas, au niveau latéral, et on va, si tout va bien, être capable de passer de manière assez harmonieuse entre les différentes casquettes, une autre manière de le dire, qu'on va prendre. C'est-à-dire que, on ne va pas s'adresser, quand on s'adresse à nos parents, on s'adresse à nos parents en tant qu'enfants, et puis quand on s'adresse à nos enfants, on s'adresse à nos enfants en tant que parents. Ce n'est pas la même casquette. Quand je m'adresse à mon frère ou à ma sœur, ceux de ma famille, de ma fratrie, c'est la même chose, je ne vais pas m'adresser à eux de la même manière. Alors, on va s'inscrire comme ça tout au long de notre vie, dans une filiation plus verticale,
Ok, on va commencer par être l'enfant d'un homme et d'une femme. Quand on va devenir parent à notre tour, Inch'Allah, si Dieu nous donne des enfants, on va effectivement rester l'enfant de nos parents tout en étant le parent de nos enfants. Et puis, au fur et à mesure que notre vie va avancer, on va monter chaque fois d'un étage, quelque part. Hein. Quand notre enfant, notre premier enfant, deviendra à son tour parent pour la première fois, on va devenir grand-parent, mais tout en restant l'enfant de nos parents, le petit enfant de nos grands-parents, et ainsi de suite, vers le haut, vers le bas. Et puis, on voit que tout ça continue à se tisser de manière inexorable et que... en fonction de la durée de vie que Dieu nous accordera sur la terre, eh bien, on arrivera jusqu'à être grands-parents, arrière-grands-parents et parfois même arrière-arrière-grands-parents. Ça, c'est juste pour placer un tout petit peu le tableau pour commencer. Ensuite, il y a vraiment quelque chose, une chose sur laquelle j'ai envie de vous amener à réfléchir aussi, c'est que dans notre parcours de vie, on ne va pas avoir, en fonction de l'âge qu'on a, et en fonction de la mission qu'on doit accomplir, notre énergie de vie, elle va être très différente. Et vous allez voir que c'est assez évident quand je vais le dire, mais on ne prend pas toujours la peine d'y réfléchir. Alors d'abord, on commence par être un bébé. Hein. On vient au monde, on est très très dépendant, mais en même temps, on est super bien programmé en tant que bébé pour séduire les adultes qui sont proches de nous, pour les accrocher, les mettre en lien avec nous. Et ce lien est en même temps un gage de survie pour l'enfant, puisque l'enfant humain, comme beaucoup d'espèces mammifères, a vraiment besoin de la relation pour se développer d'une manière harmonieuse. Après, au fur et à mesure de son développement, l'enfant va partir à la découverte de son environnement. Il va aller de plus en plus loin, en principe rassuré par ce lien qu'il va avoir avec ses parents. À la période de l'adolescence, l'enfant va subir une modification hormonale sans précédent. Les organes génitaux vont se développer. Les premières grosses oppositions avec les parents vont survenir. Et le besoin d'indépendance va grandir. Alors à quoi ça sert ce besoin d'indépendance et cette opposition qui anime nos adolescents et qui nous fait attraper des cheveux blancs avant l'heure? Eh bien, c'est une énergie, finalement, dont nos enfants ont besoin à un moment pour se séparer de nous. Puisqu'en fait, le terme de l'éducation, le terme du chemin de vie que les enfants partagent dans le même foyer avec leurs parents, ben c'est effectivement le départ de l'enfant. Et c'est vrai que l'enfant, ben, il est un petit peu en porte-à-faux avec ça, et que le fait de s'opposer comme ça aux parents, c'est aussi une manière de s'individuer, quelque part de devenir un être humain à part entière. Et cette énergie-là va permettre de préparer le départ du nid familial. Ensuite, quand on voit un jeune adulte, hein, quand vous avez des adultes, bon, maintenant on est autonome un tout petit peu plus tard, mais on va dire, allez, on va prendre une fourchette plus ou moins 25 ans, eh bien, en général, et si on repense nous-mêmes à cette époque où on était jeune adulte, lancé dans la vie, etc., on a tendance à cet âge-là à se lancer dans la vie un petit peu avec une énergie où on y va, on ne réfléchit pas trop. Hein. Parfois, moi-même, en tant que maman, quand je réfléchis à des choses que j'ai faites à l'époque, je me dis, purée, en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, je ne referai jamais les mêmes trucs, j'oserai plus. Hein. Et c'est vrai qu'en même temps, ben, heureusement qu'il y a des jeunes qui osent. Et cette énergie-là, ben, on en a besoin aussi, parce que quand on est jeune et qu'on démarre dans la vie, on a besoin d'oser sans trop réfléchir, justement pour faire les choses. Et si on n'avait pas cette espèce d'insouciance, on n'arriverait sans doute pas à décoller. C'est peut-être ce qui fait, entre parenthèses, que ben, nos jeunes ont de plus en plus de mal à décoller parce qu'on essaye de réfléchir beaucoup trop longtemps, peut-être avant de faire les choses. Voilà, voilà. Mais ça, ça fera peut-être partie du débat. Et puis, quand on va prendre de l'âge, on va devenir, Inch'Allah, parent à notre tour, et plus on va prendre de l'âge, et plus, quelque part, on va un peu se calmer, on va devenir un peu plus sage. Et heureusement, parce que quand nos chères têtes blondes ou brunes bouclées, peu importe, mais quand ils vont prendre eux-mêmes de l'âge et devenir des adolescents, on aura bien besoin d'une petite dose de sagesse, et même d'une grosse dose de sagesse, pour ne pas grimper au mur avec tout ce qu'ils vont nous en faire voir. Et puis, quand ces enfants-là vont quitter le nid, etc., on va se retrouver à un moment avec pas mal de sagesse, avec une dose de patience, on sera arrivé, on aura passé le cap, les enfants ont démarré dans la vie, etc.
Et puis cette dose de sagesse, elle va continuer comme ça de s'installer, de bien s'ancrer en nous, et ce qui va finalement nous permettre aussi de devenir des grands-parents. Hein, tant grands-parents, on est souvent un petit peu plus patient, on est aussi celui-là, celui qui est là ou celle qui est là pour un petit peu tempérer les choses avec les parents qui, eux, sont justement dans la fougue. Et vous voyez comment ça tourne de génération en génération. Et en même temps, c'est vrai que pendant que nous, on était occupés à fonder notre foyer, nos parents à nous, en principe, étaient encore suffisamment bien que pour s'occuper d'eux-mêmes et être autonomes, éventuellement donner un tout petit coup de main. Et puis que là, quand la roue continue à tourner, eh bien, toute cette patience, cette sagesse qu'on a en nous, elle va nous permettre à la fois de tenir un rôle de grands-parents et à la fois de devenir peut-être justement un soutien pour nos parents qui là, commencent réellement à décliner, à peut-être devenir dépendants, à peut-être en tout cas avoir besoin de nous. Et puis là, des choses qu'on n'aurait peut-être jamais eu la patience de faire à 30 ans, eh bien, quand on en a 50, 55, là, on commence tout doucement à voir la vie autrement. Et voilà. Et finalement, on se rend compte que toute cette énergie-là, elle va faire que tout au long de notre vie, on va avoir une énergie qui finalement correspond à ce qu'on a besoin d'accomplir à ce moment-là. Alors, ce que je vous trace là, c'est évidemment des grandes lignes. Ça ne tient pas compte, il y a des accidents de la vie, c'est sûr et certain. Quand des accidents de la vie surviennent, il faut s'adapter, on n'a pas le choix, ça vient parfois perturber, tout ça. Mais grosso modo, c'est là qu'on va pouvoir comprendre que quand certaines choses arrivent à certains âges, eh bien, les personnes ne vont pas toujours réagir d'une manière qui nous paraît cohérente. Et puis si on prend cette grille de lecture-là, on va se rendre compte... Marhaban. On va se rendre compte... voilà que ça correspond effectivement à l'énergie dans laquelle elles sont. Alors pour aborder la question, le titre de la conférence, j'ai mis chacun sa place, chacun son rôle, et puis finalement en développant mon sujet, je me suis rendu compte que c'était plus juste de parler d'abord de rôle et puis de place. Donc je vais vous parler un petit peu du rôle de chacun. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit focus sur le couple. C'est quelque chose que je répète à chaque conférence où je parle de couple. C'est que quand nous nous marions, nous formons d'abord un couple conjugal, donc uni par des liens principalement affectifs, d'accord, et on a une relation à deux. Et puis, à partir du moment où on devient parent, pour les femmes, ça arrive très tôt, c'est le moment où on a la confirmation qu'une grossesse est en route, hop, on est déjà passé à autre chose. Et puis, voilà, parfois avec un petit décalage, mais en tout cas, il y a un moment, on se retrouve ensemble, un couple qui va fonctionner à deux niveaux. On va fonctionner au niveau conjugal et on va fonctionner au niveau parental. Et ce n'est pas toujours en harmonie de la même façon. On peut très bien s'entendre au niveau conjugal et puis qu'au niveau parental, ça coince un petit peu, ou l'inverse. Ça, c'est des choses que je développe généralement dans d'autres sujets. Pourquoi je reprends ça ? C'est parce qu'en fait, ici, dans le sujet que je traite aujourd'hui, en tant que couple parental, on va devoir travailler à nous accorder au quotidien pour éduquer nos enfants d'une manière cohérente ensemble. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'éducation, c'est de pouvoir, même si on est différent, ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes, avec des sensibilités d'hommes et de femmes, et ça aussi, c'est quelque chose que je développe régulièrement. On n'est pas les mêmes, on ne fonctionne pas de la même manière, mais il n'empêche que même différents, il y a vraiment possibilité de construire une vraie équipe, en fait, de parents. Alors, la répartition des rôles entre le père et la mère, elle n'est pas forcément évidente comme ça. Chaque couple va avoir une version tout à fait personnelle du partage des responsabilités. C'est sûr et certain que ce sont les femmes qui portent les bébés, que ce sont les femmes qui les allaitent, et qu'en ça, personne ne peut les remplacer, sauf gros accident de la vie, quand il y a des décès prématurés de jeunes mères ou quoi. Mais sinon, sur ce plan-là, on ne peut pas les remplacer. Mais par contre, à part ces choses spécifiques que seule une maman peut faire, il y a vraiment, à un moment, un vrai partage de responsabilités parentales qui doit avoir lieu. C'est indispensable. On ne peut pas imaginer... comme on l'entend dans certaines familles, en tout cas, moi, je ne partage pas trop cette vision, de dire non, moi, je vais travailler à l'extérieur, et puis c'est ma femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. On a tous les deux un rôle à jouer. Même si, dans le rôle, dans la répartition, il y a, par exemple, des couples où maman travaille
et papa aussi, et peut-être papa est un petit peu plus disponible, donc il va peut-être prendre un peu plus de place, ou ça va aller dans l'autre sens, ou bien une maman au foyer avec un papa qui va prendre une très petite place et puis une maman une très grande place. Mais tous les deux, c'est indispensable, doivent jouer un rôle, être présents et être impliqués. C'est vraiment ça le mot, impliqués dans la responsabilité. Et on ne peut pas dire, ah ben non, ça c'est lui, ça c'est elle, moi je ne m'en occupe pas, j'ai rien à voir là-dedans. On est vraiment les premiers concernés par l'éducation de nos enfants. Alors pour en arriver au rôle des parents précisément, ben c'est quoi être parent? J'ai un petit peu réfléchi à ça. Je vous ai fait une longue tartine comme ça de tout ce à quoi j'ai pensé quand je réfléchissais au rôle des parents. Alors, grosso modo, ben, le rôle des parents, c'est d'accompagner l'enfant dans son développement, ça c'est sûr. Et pour cela, ben, il faut absolument que les parents mettent en œuvre des moyens pour que ce développement puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a des besoins de base. L'enfant, il a besoin d'être nourri, soigné et protégé physiquement du froid, des maladies, etc. Mais un enfant a aussi besoin d'être aimé et d'être choyé. Un enfant, comme je le disais tout à l'heure, un enfant humain, comme énormément d'espèces vivantes que Dieu a créées, il ne peut pas se développer sans relation d'affection. Pour l'espèce humaine, c'est même une question de survie. Un enfant sans affection se laissera mourir. Il faut savoir, ça a été expérimenté d'une manière un peu aveugle comme ça dans les années 60-70, mais c'est une réalité. Alors par la suite, au fur et à mesure que l'enfant grandira, son intérêt pour le monde qui l'entoure, ben, il va grandir. Hein. Le petit bébé, ben, regarde d'abord autour de son berceau, puis de plus en plus loin, puis quand il commence à marcher, il va explorer, etc. Et puis, quand l'enfant grandit, ben, ça va aller de plus en plus loin. Et là, ben, les parents vont avoir la responsabilité de veiller à ce qu'on appelle l'éveil de l'enfant. On parle énormément de ça dans tous les traités d'éducation. Qu'est-ce que c'est l'éveil de l'enfant? Ben, c'est justement lui traduire le monde qu'il voit. On a une énorme responsabilité. Si on voit une image qui passe à la télévision, une image qui est montrée sur une affiche, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Tout ce qu'on va traduire de ces images qu'on va voir à nos enfants, c'est vraiment par ce focus-là que les enfants vont comprendre le monde et ces croyances-là, ces connaissances-là vont être ancrées très très fort en lui et on aura beaucoup de mal après à les déloger. C'est-à-dire que si vous racontez des choses qui ne sont pas justes ou si vous faites passer des messages un petit peu bizarres à vos enfants, eh bien, on aura beaucoup de mal à les déconstruire par la suite. Alors, les parents devront veiller aussi à ce que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, ait des contacts avec d'autres enfants. Je pense aux enfants uniques, aux premiers enfants de la famille. Walaikum salam. Aux premiers enfants de famille, etc. Mais c'est vraiment important, à un moment, de veiller à ce que l'enfant puisse être socialisé. De veiller aussi à ce que l'enfant puisse être scolarisé. Alors, je sais qu'il y a des parents, parfois, qui font le choix d'assumer eux-mêmes cette partie-là. Ça doit être fait d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, quel que soit le choix qu'on prenne, il y a un moment, l'enfant doit recevoir de l'instruction, doit apprendre à se socialiser. Ça, c'est indispensable. Un enfant qui resterait tout seul, ce serait un enfant qui perdrait vraiment dans ce qu'on appelle les compétences sociales. C'est quelque chose qui est vraiment très important, les compétences relationnelles. Comment est-ce que je me comporte avec telle personne ou telle personne ou telle personne? Les parents ont aussi la responsabilité de veiller aussi à l'éveil spirituel des enfants et aux valeurs universelles et islamiques depuis le tout jeune âge. C'est inimaginable de se dire, ben, je vis sans trop faire de place à la spiritualité dans ma vie, et puis un beau jour, je prends mon enfant, il a 5 ans, 6 ans, et puis je vais le conduire tous les dimanches à la madrasa, et puis ils vont faire le boulot, et ça va aller tout seul, et puis ça va faire un bon croyant plus tard. Ben là, c'est un peu mal barré. C'est vrai que les enfants, il faut vraiment que ça soit quelque chose de naturel et que l'enfant baigne là-dedans. Et tout ça, c'est une responsabilité. Ça fait partie vraiment de notre rôle de parent. Alors, les parents devront aussi, ça c'est un point vraiment très très important, accompagner leur enfant dans son cheminement pour apprendre à supporter les différentes frustrations qui sont inhérentes à la vie terrestre et à la vie en communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur la terre, comme Dieu l'a décrété, eh bien, on doit travailler pour se nourrir, pour se vêtir,
pour s'abriter, ça c'est... Alors, on est très coupé de tout ça dans nos vies très modernes, dans des structures, on n'a qu'à pousser sur des boutons, des machins, tout est magique, et puis on voit les petits, ils prennent des iPods maintenant, et puis ils chipotent avec ça, pardon, je parle un petit peu wallon, mais vraiment on se rend compte que en étant comme ça, on a un grand risque, c'est de se couper de cette réalité-là. Parce qu'au bout du compte, on a comme ça une sensation de toute-puissance, on a une sensation de yaka. Donc, j'allume, il y a de l'électricité, mais cette électricité, elle ne vient pas de nulle part, elle est fabriquée, elle est acheminée, etc. Et c'est vrai qu'on a la responsabilité aussi de faire en sorte que nos enfants connectent avec ça à un moment. Parce que sinon, on en fait des humains qui sont coupés de tout, qui appuient sur des boutons, et puis tout va tout seul, et puis... Alors de temps en temps, selon nos aspirations, nos goûts, mais d'emmener ces enfants dans une cabane pour leur montrer ce que c'est de chauffer, d'éclairer, etc., voilà, ça peut aussi avoir du bon. C'est juste une suggestion, tout le monde n'est pas obligé de faire ça, mais vraiment d'essayer de rester là-dedans. Alors, il faut savoir que ce point-là, c'est un point capital qui va jouer un rôle fondamental dans la prévention de beaucoup de dérives, et notamment dans la prévention de la violence. Ça peut paraître bizarre à dire, mais dans presque toutes les situations où il y a de la violence qui émerge, il y a une intolérance à la frustration et il y a un problème avec les limites, mais ça, j'y viendrai un peu plus tard. Et donc, c'est vrai que quand on élève, ça paraît fou quand même, hein, de se dire qu'en montrant ça à mes enfants, je vais en faire des gens, des adultes qui potentiellement seront moins facilement... passeront moins facilement à l'acte violent, même si à un moment, ils sont très, très en colère. Au niveau conjugal, hein, il y a de la violence conjugale, ça existe. Au niveau familial également, hein, quelqu'un qui ne tolère pas la frustration, qui devient parent à son tour, ben, quand il a un petit bout de 2-3 ans qui lui fait une colère, il va avoir beaucoup de mal à résister, à ne pas passer à l'acte à ce niveau-là. Et aussi au niveau de la violence sociale. Ça va aussi jouer un rôle dans la prévention de la délinquance. Pourquoi ? Parce que la délinquance, c'est pareil, c'est une intolérance à la frustration. Les jeunes qui font des casses, c'est des jeunes qui ont envie d'avoir des sous tout de suite pour assouvir tout de suite un besoin, pour avoir un plaisir immédiat, etc., comme on nous le prône sans arrêt dans les médias, etc. Et donc, il faut savoir que ça, c'est vraiment... Donc, en agissant d'une manière très simple, finalement, même si ce n'est pas toujours facile de tenir le choc, hein, quand on a toute la pression de l'extérieur, etc., mais vous allez vraiment avoir une action par rapport à ces choses-là. Alors, pour que tout ça soit possible, comme je le disais il y a une minute, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit la question des limites. Sans limites, un enfant, il va se retrouver déboussolé, il va se retrouver même angoissé, et c'est vraiment ne pas donner de limite à un enfant en disant « mais il peut faire ce qu'il veut, il est libre, moi mon fils, je ne veux pas le frustrer, etc. » Eh bien, c'est vraiment un cadeau empoisonné, quel que soit l'âge de l'enfant. Pourquoi ? Parce que vous risquez de le mettre dans ce genre de dynamique-là, de ne pas supporter ben, les limites que de toute façon, celles que vous n'aurez pas mises, la société va les lui mettre. Parce que quand il va sortir de chez vous, si on ne lui a jamais mis de limite et qu'il se transforme en gremlins dès qu'il est à l'extérieur, qu'il veut faire n'importe quoi, tout ce qu'il veut, ben c'est sûr et certain qu'à un moment, ben, il va y avoir un stop qui va être donné, ben, au pire, par la justice, au bout du compte. Et que de toute façon, ben, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, c'est de leur donner justement ces limites et de les habituer progressivement à la frustration. Alors évidemment, on ne commence pas à 2 mois en disant « t'attendras ton biberon 1 heure parce que là, je n'ai pas le temps hein. ». Je veux dire, on adapte évidemment tout ça à l'âge, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Alors, un autre aspect qui va jouer un rôle dans la prévention de la violence aussi, mais également dans la prévention de beaucoup, beaucoup de troubles mentaux, c'est la question des émotions. Et notre communauté a tendance à avoir un gros problème avec la question des émotions. C'est de nous que nos enfants vont apprendre ce qu'il est permis d'exprimer ou pas. Bien sûr, toujours avec respect. On peut exprimer une colère avec respect. Mais si nos enfants apprennent de nous que les émotions, c'est interdit, que les émotions, c'est dangereux, que les émotions, ça fait peur, eh bien, il y a plus de chances que, devenus adultes,
est confronté de toute façon aux émotions de la vie, à un moment, il y a un trop-plein qui se fait, et puis c'est là où parfois, en psychothérapie, ou bien quand on fait certains petits séminaires de développement personnel ou des choses comme ça, eh bien c'est un travail qui arrive souvent, c'est de remettre le focus là-dessus, de se dire, il faut absolument qu'on fasse de la place à l'émotion. Les quatre émotions de base, hein, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Elles sont réelles, hein, avec toutes les variantes qu'il peut y avoir autour, mais ça, c'est les quatre émotions de base. Et c'est vraiment très, très important de pouvoir que ça devienne quelque chose de naturel dans la famille. Ça aussi, ça va armer nos enfants, ça va leur permettre de vivre en paix et ça va leur permettre de vivre vraiment bien ancré dans cette chaîne du vivant de laquelle nous faisons tous partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents auront aussi à apprendre à leurs enfants comment se comporter dans leurs différentes relations. Alors il y a la relation des parents, des enfants avec leurs parents. Il y a aussi la relation que les enfants vont entretenir entre eux, hein, entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Avec la famille élargie, hein, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc., avec l'entourage social, hein, avec l'entourage scolaire, avec des inconnus. On n'a pas la même distance relationnelle quand on est avec ses parents, on n'a pas la même intimité quand on est juste le petit noyau familial comme ça, ou bien la même intimité quand les grands-parents sont en visite ou quand les oncles et tantes sont en visite. On n'a pas la même intimité alors quand ce sont des inconnus qui sont là. Et l'enfant, il va apprendre comme ça de ses parents aussi les différentes distances relationnelles. Et ça, c'est quelque chose qui va l'armer, qui va le armer, hein, du verbe armer, qui va armer l'enfant pour réguler ses relations avec l'extérieur et aussi pour ne pas se mettre en danger. Si un enfant était bien éduqué par rapport à ça, si un jour, malheureusement, il croise la route de quelqu'un de malveillant, hein, en ce compris le terrible fléau de la pédophilie, mais il va quand même avoir plus de chances de réagir en disant « ça, c'est pas normal hein. ». Si on a bien appris ces différences, distances relationnelles, et bien, ça va être vraiment quelque chose de précieux. Et puis la dernière chose de ma longue liste de ce qu'on a à faire en tant que parent, mais tout se recoupe, hein, au bout du compte, c'est pas non plus des choses... Mais c'est la question de l'apprentissage des responsabilités. Alors on ne doit pas perdre de vue que nos enfants qu'on accompagne vont devenir de futurs adultes. Et que prendre des responsabilités, ça s'apprend au fur et à mesure. Et ça ne s'improvise pas du jour au lendemain quand on devient majeur. À 18 ans, tout à coup, ça y est, t'es majeur, prends tes responsabilités. Non. Depuis tout petit, hein, et ça commence par apprendre à ranger sa chambre tout seul. Quand on a 3, 4 ans, d'abord avec maman, et puis de plus en plus de manière autonome, et puis voilà, c'est tout n'est pas magique, on ne vit pas dans un monde, on allume, on éteint, on check, enfin on clique, je ne sais pas quoi, dès qu'on a envie d'un truc, non, ben, une chambre, on peut cliquer tant qu'on veut, elle ne va pas se ranger toute seule. Un lit, on peut cliquer tant qu'on veut, il ne va pas se refaire tout seul. Hein, quand il faut changer, je ne sais pas, les draps... Ben, on doit les enlever du lit, on doit les mettre dans la machine, on doit les faire sécher, on n'a pas encore trouvé de robot qui fait ça, et puis il faut les remettre. Et puis, ben, tout ça, ce sont toutes des petites choses dans lesquelles, au quotidien, dans la vie de tous les jours, on peut responsabiliser nos enfants. Hein? La vaisselle, que vous ayez un lave-vaisselle ou pas, ben, il y a un moment, il faut la retirer de la table, il faut la mettre dans l'évier, il faut la laver, il faut la mettre dans la vaisselle, il faut pousser sur le bouton. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment à faire. Et ces petites responsabilités-là, ben, je pense qu'il ne faut vraiment pas les perdre de vue, c'est important. C'est sûr que ça va 5 à 10 fois plus vite de ramasser les jouets soi-même. Ça, je suis vraiment d'accord. Hein. Et que ça va 5 à 10 fois plus vite de changer les lits soi-même. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais vous n'imaginez pas l'investissement que vous faites quand vous prenez le temps vraiment d'apprendre à vos enfants à finalement se responsabiliser. Ça ne se fait pas tout seul. Et un jour, tu devras le faire pour toi. Parce que sinon, quand l'enfant il arrive à l'âge adulte, alors on dit, ah ben, nos enfants, ils se marient, ils ne savent plus rien faire. Ben non. Enfin, oui, si on ne leur a pas appris. Mes enfants, je veux qu'ils se concentrent sur leurs études, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que tu fais des études que tu ne peux pas essuyer une vaisselle. Ce n'est pas parce que tu fais des études que tu ne peux pas faire ton lit. Ce n'est pas parce que tu fais... Pour les jeunes qui me regardent en rigolant. Mais je pense que c'est vraiment important, fille comme garçon, de pouvoir s'armer. Je ne suis pas en train de prêcher pour que
pour faire des enfants des esclaves, mais je pense aussi qu'il faut chacun, mais justement, rester à sa juste place. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage des enfants, il faut le savoir, hein, pour alléger un peu tout ce que je viens de vous dire, qui vont se faire de manière implicite. C'est-à-dire que ça va se passer tout seul sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que pour que ça se soit possible, eh bien, il faut que nous, les parents, on soit vraiment ce qu'on appelle congruent. Alors, c'est un mot un peu qui est un néologisme en français et qui veut dire avoir de la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Parce que vous aurez beau, il faut savoir quand même que dans l'apprentissage que nos enfants font, il y a, je ne sais pas, quelque chose comme 80% qui passe par l'exemple. Hein. Le blabla qu'on met autour, ça rentre par là et ça sort par là. Et là où les enfants vont vraiment apprendre, c'est de nous voir agir. Si je suis commerçant, petit exemple au passage, et que je passe mon temps à rouler mes clients, et puis je sors, je me dis « Ah, ça y est, celui-là, je l'ai eu. » Et puis je dis à mes enfants, tu sais, il faut être honnête hein, dans la vie. Qu'est-ce que l'enfant, il entend ? Il faut être honnête, ça, c'est le blabla. Ça, c'est le blabla du paternel, OK, mais moi, ce que je retiens, c'est que pour gagner de l'argent, il faut rouler les autres. Parce que ça, je l'ai vu. Et ça va comme ça pour plein, plein, plein de choses. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ça se fait tout seul. La mauvaise, ça veut dire que pour être des parents congruents, ben, il va falloir qu'on s'améliore beaucoup. En fait, c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça nous permettra d'être encore meilleurs et puis de gagner, d'avoir encore plus de chances de gagner le paradis, Inch'Allah, et même d'avoir des degrés supplémentaires. Donc, profitons-en. Soyons les meilleurs parents possibles pour éduquer le mieux possible et ça sera du win-win pour tout le monde, comme on dit maintenant. Alors, je vais en arriver aussi au rôle des enfants. Je vais dire beaucoup moins de choses à propos du rôle des enfants. Mais vous allez voir quand même, je ne vais pas vous rater non plus. Alors, au tout début, j'ai repassé encore la chose dans l'histoire de notre vie sur Terre à tous. Au début de l'enfant, de leur vie, pardon, les enfants, ils sont dans une situation où ils n'ont pas finalement à faire de choix. Ils vivent leur vie de bébé, ils s'éveillent au monde. Ils commencent à interagir avec leur entourage, ils stockent un tas d'informations qui vont leur servir tout au long de leur vie, et le bébé, il est là-dedans, il est dans l'accueil, et puis il absorbe. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, ben, il va s'individualiser, il va devenir une personne beaucoup plus à part entière, il va être de moins en moins dépendant de son entourage, il va se socialiser, il va commencer à avoir ses premiers copains, copines, d'abord à l'école, et puis de façon un petit peu plus intensive à l'adolescence. Et puis, tout au long de ce développement, ben, l'enfant, il va commencer à expérimenter les choix. Hein, ces fameux choix qu'on est obligé de faire au quotidien, on y est confronté quotidiennement, c'est Dieu qui nous a assigné ça comme caractéristique. On doit tout le temps choisir entre le bien, le mal, entre le mieux ou le pire, etc., etc. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un apprentissage qui va se faire depuis tout petit et puis tout au long de la vie. Et ça, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience, tous. D'abord parce que c'est inéluctable, que même quand on est jeune et que... c'est dur de faire des choix, etc., ben, sachons que de toute façon, c'est vers ça qu'on va, on n'a pas le choix, et qu'en tant que parent, ben, c'est bien aussi, ben, là aussi, de montrer, peut-être de verbaliser, de temps en temps nos choix, enfin d'expliquer qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi telle solution plutôt que telle autre, dans telle situation, pour que nos enfants aient un petit peu de matériel pour faire leur propre choix. Alors, en réponse à l'éducation que l'enfant va recevoir, et compte tenu aussi de sa nature propre, hein, un enfant n'est pas l'autre, tous les êtres humains qui viennent au monde sont des êtres à part entière, Dieu nous dit dans le Coran, hein, chaque être qui arrive est un être bien différencié des êtres même par lesquels il est passé, en l'occurrence ses parents. Donc l'enfant va réaliser, donc, compte tenu de tout ça, un tas d'apprentissages, au niveau scolaire évidemment, mais aussi au niveau relationnel, au niveau émotionnel, etc. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant, ben, son rôle, ça va être effectivement d'être dans l'apprentissage, finalement, à énormément de points de vue, parce que ben, tout au long de qu'est-ce qu'un enfant fait, jusqu'à l'âge adulte, il se construit, il apprend. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'enfant.
Alors il va cheminer, comme je le disais, c'est inéluctable, c'est comme ça. L'objectif, enfin, la ligne d'arrivée ou la nouvelle ligne de départ, ben, c'est l'âge adulte. Où là, ben, il aura appris progressivement à faire ses propres choix, à prendre des responsabilités. Et puis là, ben, ce sera son tour de prendre ses responsabilités et de les assumer. Alors, pour terminer cette partie de mon exposé, au départ, les parents ont principalement des devoirs envers les enfants. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que dans la communauté, on a parfois un petit peu tendance à zapper cette question-là, en se disant les enfants doivent le respect à leurs parents, ce qui est tout à fait vrai. Je ne suis pas du tout en train de dire le contraire. Mais vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de braquer le projecteur là-dessus, en disant le moment où nous devenons parents, nous avons d'abord un devoir envers nos enfants, un devoir de les éduquer et d'accomplir le rôle tel que je l'ai décrit. Mais il ne faut non plus jamais, jamais, jamais négliger que nos enfants sont effectivement des êtres de droit dès leur naissance, comme le dit très bien la Déclaration des droits de l'homme et puis la Déclaration des droits de l'enfant, mais ils ont aussi impérativement, et ça c'est une question de dignité, ils ont besoin impérativement d'être éduqués à devenir à leur tour des êtres de devoir. Donc ce n'est pas parce que nos enfants sont des êtres de droit qu'on ne doit pas les éduquer à un jour assumer leurs propres devoirs. Parce qu'au bout du compte, la roue tourne, hein, comme je l'ai dit. De génération en génération, ben, les choses se reproduisent. Un enfant à qui on n'a jamais appris à prendre des responsabilités, ben, comment va-t-il devenir un jour un être de devoir? Alors, éduquer, c'est pas faire plaisir, même si le plaisir fait partie de la vie. On tombe souvent dans ce piège-là. C'est d'essayer de se dire, est-ce que mes enfants sont contents? Pour savoir si j'ai bien fait, est-ce que mes enfants sont contents? On n'est pas en train de vendre un produit de consommation à nos enfants en leur demandant « T'es content de l'éducation que je te donne ?» Parce qu'en général, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont répondre « Ah ben non, moi je voudrais bien sortir avec mes copines, je voudrais bien faire ça, nana. » Ils vont faire toute la liste des frustrations qu'ils ont et qui sont toutes naturelles. Et mettez la limite aussi loin que vous voulez, ils demanderont toujours pour la reculer. Votre solidité, c'est d'avoir cette limite-là, celle qui vous paraît être du juste milieu, la vôtre, pas celle du voisin. Hein, il y aura des différences et des nuances entre les parents, mais la qualité de l'éducation, elle se mesure pas à un sentiment de satisfaction. Les fruits d'une bonne éducation, ce sont des fruits, ce que j'appelle moi des fruits de la maturité. Alors, c'est sûr que c'est toujours agréable de voir des petits signes, des petits bourgeons là, qui nous montrent que là, on n'a peut-être pas trop mal réussi son coup quand on voit nos enfants qui commencent à s'approprier des choses, etc. C'est vrai que c'est très encourageant, mais en même temps, être parent, c'est naviguer en eau trouble, c'est naviguer à l'aveuglette et c'est vraiment avoir la patience de se dire ben, c'est plus tard que je vais voir réellement les fruits d'éducation que j'ai donné à mes enfants. Et cette patience-là, on doit absolument l'avoir parce que sinon on cède à la peur. Et puis on veut absolument avoir des signes que nos enfants sont satisfaits et puis là alors on commence à zapper les limites pour demander presque à notre enfant ben, « déclare-moi bon parent ». Ça vient après. En général, la fourchette, c'est entre 25 et 30 ans, la première fois qu'on va entendre un enfant dire « Ah ben finalement, qu'est-ce que je suis content que tu n'aies pas cédé et que tu m'aies donné cette éducation-là. » Ben ça, c'est... Alors 25-30 ans, hein, comme... c'est... Voilà, la taper des premières réflexions comme ça. OK ? Donc vraiment, patience, patience et encore patience. Alors, un mot, on arrive dans la dernière partie de mon exposé, par rapport à la place. J'ai beaucoup parlé de rôle. Qui dit rôle spécifique, dit aussi place spécifique. Un parent, c'est pas un enfant, c'est pas un copain. Un enfant, c'est pas un parent et c'est pas un copain. Chacun dans une famille doit avoir sa place. Dans l'espace, ça c'est sûr et certain, hein, dans la maison, c'est important. Quelle que soit la structure... architecturale de la maison, chacun doit avoir un endroit qui lui est propre. Alors, même si on considère des gens qui vivraient dans une cabane, une seule pièce comme ça, il y a le coin là, le coin là, le coin là, et il y a un endroit où chacun doit pouvoir avoir son petit espace personnel à soi. Ça peut être juste un tiroir, mais il faut quelque chose. C'est important. Donc, ce n'est pas une question de luxe de pouvoir avoir cette place. Alors, c'est important
que cet endroit soit un endroit qui soit respecté, un petit peu comme si c'était une prolongation de l'identité ou même de l'intégrité de l'enfant. Alors c'est un endroit que l'enfant peut personnaliser, avec un petit dessin, avec un petit truc qui lui appartient en propre, et vraiment il faut que ce soit respecté. Parce que c'est ça aussi qui va faire que l'enfant va se construire avec les bonnes distances relationnelles, par exemple, parce que ben, si je suis respectée, ça veut dire que ben, quand on vient vers moi, on ne peut pas aller sans ma permission au-delà d'un certain point, protection aussi contre les agressions, etc., etc. Et en même temps, lui aussi va pouvoir respecter l'espace des autres. Donc au niveau relationnel, il y a tout à gagner à agir comme ça. Les parents aussi doivent avoir leur place, leur espace d'intimité, où personne ne peut entrer sans permission. Et c'est une permission qui doit être renouvelée à chaque fois. Les enfants, ils doivent apprendre à ne pas considérer ce genre de droit, par exemple de pouvoir entrer dans la chambre des parents, comme quelque chose qui est acquis définitivement. Jamais. Il doit y avoir un endroit dans la maison qui n'appartient qu'aux parents et dans lequel si les enfants doivent demander la permission pour entrer. Alors, évidemment, quand on a un tout jeune bébé, souvent les premiers mois, il va dormir auprès de ses parents, et c'est tout à fait normal et c'est même souvent souhaitable. Mais il est tout aussi souhaitable que progressivement et de manière très très claire, ben, il finisse par occuper progressivement son propre espace dans une pièce qui sera à un moment plus la chambre parentale. C'est vraiment très important. Hein. Et en général, la bonne tapée, je suis sûre que c'est une question qui va arriver, c'est entre 6 mois et 1 an. Alors, ne vous faites pas tout un drame si votre enfant a 1 an et 2 mois, mais bon, vraiment, c'est la tapée et il faut aller vers ça. En tout cas, c'est vraiment très important. Les aménagements de l'espace jouent un rôle vraiment considérable dans la construction psychique de l'enfant et dans sa perception du couple parental. Et sa perception du couple parental aura des répercussions à terme sur sa propre vie de couple. L'enfant, il sait instinctivement qu'il est le fruit de l'union de ses parents. Et instinctivement, l'enfant sait que ses parents ont une vie intime de laquelle il est d'ailleurs né, cet enfant-là. Enfants, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait d'instinct, même sans mettre de mots dessus. Il sait que quand la porte de ses parents est fermée, il se passe des choses. Ben oui, c'est comme ça. Pour lui, c'est naturel, même si ça reste un peu mystérieux sur le plan concret, et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et souvent, vous allez voir que des enfants qui vivent dans des familles où ça se passe relativement bien, naturellement, ils ne vont pas aller vers cet endroit-là. Parce qu'ils savent que, non, là, c'est leur truc à eux, je n'ai même pas envie de savoir. Quoi. Et ça doit rester comme ça, et c'est très bien. Alors, c'est vraiment, moi, j'évoque ici juste l'intimité propre aux parents. Ça n'a rien à voir, enfin, si, indirectement, mais ça n'est pas la question de l'éducation affective et sexuelle qu'on va donner tout au long de la vie d'un enfant. C'est vraiment par rapport juste à ce qui concerne, l'intimité des parents, qu'il est très bien que les enfants restent dans le flou. Alors, la manière d'occuper l'espace, elle va aussi être le reflet de notre fonctionnement familial. Alors, même s'il n'y a pas de modèle familial universellement bon, ça c'est un message que j'aime beaucoup faire passer, chaque famille est unique, il n'y a pas de modèle auquel il faut absolument correspondre, mais les espaces doivent être aménagés et attribués de manière claire. Il ne doit pas y avoir d'équivoque. Par exemple, vous allez prendre des gens, moi ça m'arrive régulièrement en consultation, d'interroger un petit peu les gens sur « Tiens, c'est comment votre maison ?» Parce qu'on vient avec des problèmes, on dit « Oui, mais vous savez, on a des problèmes d'éducation, etc. etc. » Mais je dis « Mais tiens, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a un verrou à la porte de votre chambre à coucher ?» Et parfois, j'apprends qu'il n'y a pas de porte à la chambre à coucher, parce qu'on fait des travaux, parce qu'il y a toujours un tas de choses, c'est pas des gens qui décident délibérément de vivre comme ça, pas du tout, mais on voit qu'ils se sont laissés embrigader, et que sans doute, dans leur construction psychique à eux, il y a quelque chose qui fait que mettre des portes aux chambres, eh bien, c'est pas si évident que ça. Eh bien ça peut être un signe, quelque part, pas qu'on est anormal, mais qu'il y a peut-être là un petit truc à travailler, à régler, justement pour pouvoir remettre les gens, enfin chaque membre de la famille, dans son propre espace, pour que ben, les choses puissent se passer d'une manière beaucoup plus saine et sereine. Sur le plan symbolique, la question des places, elle va se jouer de la même manière que quand j'évoque les places au niveau pratique. Donc on est dans le concret de la maison, les places elles sont importantes. Au niveau symbolique, il va se passer exactement la même chose, même si là on est plus dans le psychique et dans le relationnel.
Par exemple, contrairement à ce qu'on nous montre dans les publicités, ils ont l'art, les publicitaires, hein, c'est pas à un enfant de décider ce qu'on achète au supermarché. On va dire, oui, mais non, mais c'est pas... Et il y a des parents comme ça qui disent, ah, vous savez, chez nous, c'est les enfants qui décident. On est des bons parents, on les aime beaucoup, et c'est les enfants qui décident. Et donc, quand on rentre au supermarché, on veut que leur faire plaisir, on leur achète toutes les marques qu'ils ont envie, celles qu'ils ont vues à la télévision, etc. J'en rajoute une petite couche, bien entendu, mais certains d'entre nous ne sont pas loin de ça. Alors, évidemment qu'on peut discuter, je préfère Danone, je préfère machin, etc. OK, ça, c'est possible, mais au bout du compte, il faut rester à sa place de parent, et celui qui décide du budget, ce n'est pas l'enfant, c'est le parent. Hein? Et donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut vraiment prêter vraiment attention. De la même manière, ça peut arriver qu'il y ait des moments où on soit déprimé, ça peut arriver des moments où on ne soit pas bien. Mais un parent qui vivrait une grosse dépression, il ne faut pas qu'il prenne l'habitude de se confier à son enfant. Ce n'est pas son rôle non plus. Là, on est dans l'autre sens. On est dans un risque de remettre l'enfant à une place de parent et il n'a rien à faire là, cet enfant-là. Et si un parent, effectivement, a besoin d'aide et si la solidarité familiale est une valeur, effectivement, qu'il faut entretenir, maintenir, etc., ça n'a aucune commune mesure de commencer à se confier et à étaler des états d'âme à un enfant qui n'est pas armé pour faire face à ça. Lui, il va juste pas savoir quoi faire. Il va se sentir pousser une place dans laquelle il ne sera pas à sa place et il ne va pas être bien et le parent ne va pas être bien non plus. Et donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Alors, si on ne respecte pas ses rôles et si on ne respecte pas ses places, ben forcément, il y a des conséquences. Globalement, la confusion, elle entraîne la confusion dans la construction psychique de l'enfant et même du jeune adulte. Et la clarté, elle entraîne la clarté et l'équilibre dans la construction psychique de l'enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose... Si vous entrez quelque part où tout est confus comme ça, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous entrez quelque part où les choses sont structurées, vous allez certainement vous sentir beaucoup mieux. C'est la même chose pour nos enfants. Alors, bien sûr, il n'y a pas toujours des conséquences super dramatiques par rapport à ça. Mais il y en a toujours des conséquences. Elles vont être plus ou moins en fonction de l'intensité de ce qui se passe, mais il y aura toujours des conséquences. Un enfant, par exemple, qui a été responsabilisé trop tôt, ou qui a été mis, donc, quand le degré de responsabilité qu'on lui demande de prendre ne correspond pas à son âge, ou un enfant qui a été mis à une place de parent, ben, il risque à l'âge adulte d'avoir des difficultés pour s'engager et pour se responsabiliser à son tour. Parce qu'il sera avec un manque. Il aura manqué d'insouciance, il aura manqué de pouvoir s'appuyer sur des adultes qui étaient là pour jouer leur rôle. Et donc, quand ça va être son tour, et ben, lui sera juste face à son manque et donc il va avoir du mal par rapport à ça. Ou alors, il risque de se comporter avec son conjoint ben, comme un enfant et demander à son conjoint d'être son parent. Hein, même si ça peut faire partie d'une relation conjugale équilibrée, d'avoir des moments où on se materne ou on se paterne. Hein. Ça, je ne suis pas en train de dire que c'est oulala, quelque chose de complètement anormal, mais ça ne peut pas être que ça. Ou alors, une famille où l'espace privé de chacun ne serait pas respecté, ou une famille dans laquelle ben, les enfants entrent comme dans un moulin dans la chambre des parents, par exemple, ou bien des parents... qui entrent dans l'intimité de leurs enfants jusqu'à un âge anormalement avancé, ça existe, des parents qui ont besoin de contrôle et des choses comme ça, eh bien, ça va générer un climat d'insécurité affective et émotionnelle, et ça risque même d'aller jusqu'à ce qu'on appelle en psychologie un climat incestuel. Ça ne veut pas dire qu'il y a des passages à l'acte, mais ça veut dire qu'on vit dans un milieu où ce n'est pas clair, où est-ce que ça s'arrête, mon intimité, mon corps, lui, l'autre, etc. Et donc, ça, on est de nouveau dans ce que je disais tout à l'heure, la confusion. Ça, c'est juste pour vous donner deux petits exemples. Alors, pour bien se développer, un enfant, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin, en tout cas, d'une grande sécurité affective. Il a besoin de sentir qu'à côté de lui, c'est solide. Il a besoin de ce qu'on appelle un attachement sécure. Donc, il a besoin de sentir que, inconditionnellement, ses parents, ils sont là. Et que c'est son point d'attache, vraiment, et qu'il peut y aller. Il a besoin de limites claires. Ce qui est permis, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est pas permis. Ça se joue depuis les premiers mois, progressivement, jusqu'à l'âge adulte, et comme je le disais tout à l'heure, après, de toute façon, c'est la collectivité qui prend le relais. Hein, quand il passera son permis de conduire, il devra s'arrêter au feu rouge. Et s'il ne fait pas, ben, un jour ou l'autre, il finira bien par avoir des pruneaux, les collectionner, puis peut-être avoir son permis retiré. Donc, de toute façon, c'est un cadeau qu'on lui fait.
un enfant a aussi donc besoin de rôle et de place claire dans l'espace et dans le fonctionnement familial. Il a besoin de parents solides affectivement sur lesquels il peut s'appuyer pour grandir et de sentir ses parents suffisamment solides pour que le jour où il sera en âge de partir, eh bien, il puisse partir le cœur léger, qu'il ne se sente pas obligé de rester pour consoler ses parents en ayant peur que ses parents ne se remettent pas de la tristesse que leur aura causé leur départ. C'est important, ça. Bien sûr, on est tous tristes hein, quand on se sépare, pas non plus. Celui qui n'a pas la larme à l'œil le jour où son enfant quitte la maison, je pense qu'il a un problème par rapport à ses émotions. Mais ça doit rester quelque chose où l'enfant sait, sans, on va s'en sortir sans lui. Il n'y a pas de problème, il peut y aller, quoi. Alors, c'est vrai que tout n'est jamais complètement joué. Il ne faut pas se désespérer, on fait tous des erreurs, moi la première d'ailleurs. Mais quand on fait fausse route, la plupart du temps, nos erreurs, elles peuvent être rectifiées. Les seules conditions qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on prenne l'habitude de temps en temps faire une petite introspection. Et donc, il faut qu'on puisse prendre conscience des éventuelles erreurs qu'on a faites, qu'on puisse se remettre en question si on pense qu'on a fait fausse route, ou bien se rassurer par rapport au fait que non, ça va, on est dans le bon. Corriger ce qui peut être corrigé. Bien sûr, c'est clair que le plus tôt, c'est le mieux. Et donc, quand on prend cette habitude, pas de douter de tout, mais de temps en temps scanner l'histoire et se dire, tiens, est-ce qu'on est dans le bon ou est-ce qu'on se plante complètement, eh bien, ça nous donne cette impulsion de se dire, on n'est pas tout puissant. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on avance tout en se construisant. Alors en conclusion, et puis j'espère que vous aurez plein de questions, pas trop difficiles, c'est un sujet qui est éminemment vaste, ce sujet-là. J'ai même pensé à un moment que ça serait bien de parler après aussi de la place que nous, en tant qu'enfants devenus parents, on a par rapport à nos parents, la famille élargie, etc. Je me dis, ça va faire beaucoup, beaucoup pour une seule soirée, donc j'arrête ici avec ça. Je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est que chacun à notre niveau, on puisse créer un univers familial équilibré, où chacun puisse occuper sa place et jouer son rôle. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans presque toutes mes interventions, il n'y a pas de parents parfaits. Et ça serait même une horreur pour des enfants d'avoir des parents parfaits, puisque nos enfants apprennent aussi de nos erreurs. Il n'y a pas non plus d'enfants parfaits. Ce sont des petits humains qui sont, comme nous, imparfaits par nature. Il n'y a donc pas de famille parfaite, puisque les familles sont composées de parents imparfaits, d'enfants imparfaits, d'humains imparfaits. Donc ça n'existe pas, une famille parfaite. Il y a nous qui faisons chaque jour ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et voilà, je souhaite que Dieu nous aide à accomplir le meilleur de notre potentiel sur cette terre et il est le plus savant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, si vous avez des questions, eh bien, je suis tout ouïe. Inch'Allah. Bon, un grand merci.